Tommy. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain. Ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey! Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatiguée pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... C'est quoi? Gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Bonne nuit, Trésor. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Il marche pas. Oh mince. J'ai oublié de lui donner ça. Papa? Tu es là? Les émeutes sont en fait liées à la pandémie qui frappe tout le pays. Qu'est-ce que t'es passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. Vous pouvez évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. C'est près d'ici. On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Son téléphone. Il t'appelle en absence.
Et où est-ce que t'es? Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Où est-ce qu'il est? Voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là. Jimmy, je te préviens! Non! Allez! Allez! Tu l'as tué. Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris? Oui. Tommy, allez! Allez! Vous me faites passer! T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tirons-nous d'ici. Il paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard. Hé, Sarah. Comment ça va, chérie? Ça va. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Merci. Le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller. Il disait, l'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. On la 60-61. C'est fini. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. La famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. C'est arrivé. Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Oh, merde. C'est la ferme de Louis. J'espère que cette forêt s'en est tirée. T'en fais pas pour lui. Malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien, prends-moi. D'accord. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue! Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre m'a sauvé. Là, là, là! Accroche-toi! Allez! Ah!
Recule, ma puce. Recule. Besoin d'aide. Stop ! S'il vous plaît, c'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas ! Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres ? Papa, où est oncle Tommy ? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok ? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok ? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah. Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Non, non, pitié. Oh Dieu. Pitié, pitié, pas ça. Pitié. Non.
Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour nous protéger nos citoyens. Désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oui, j'arrive. T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens ? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam. Est-ce que je me trompe ? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois, facile. Tu veux bien m'expliquer ? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok ? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie ? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert ? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok ? Oh, ça va. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. Quoi ? T'es sérieuse ? J'ai reçu les coups du paquet ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je penserai à leur dire. Clean.
infecté. Maintenez-la. Il se trompe. Allez. Le scanner se trompe. Pitié. Les yeux tendent. Ok. Elle est morte. Putain. Oh putain. La ferme. Estimez-vous heureux. Allez, pas le monde. Il n'y a rien à voir. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. T'as pas vu là ? Nous ai eu de nouveaux papiers. Je ne voudrais pas avoir de problème là-haut. Circulez ! Ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon. Vous pouvez passer. Rafistole-toi, ok? Ils vont fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur? Ou alors, on laisse Robert s'en tirer? C'est ça. Hey Tess, t'as vu ce bordel? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est ? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez ? On va rendre visite à Robert. Vous aussi ? Qui d'autre s'intéresse à lui ? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène ? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert ? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord ? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. C'est nous. Salut les gars, comment ça va ? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici ? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Joël, tu peux m'aider à pousser ça ? Faites attention à vous, là-bas. Ah, ça me peste. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette, ici. Que la lumière soit. Allons prendre notre matos. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas, alors. Ok, le pétain. Fais-moi grimper. Prêt ? Bien, madame. Allez. Ah.
Sois prudente. Je le suis toujours, non? C'est une question piège? J'étais pas venu ici depuis un bail. On dirait un rancard. Ouais, ben je suis du genre romantique. T'as d'autres atouts. Elle est où, l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Je l'ai! Super, apporte-la ici. Honneur aux dames. Dame? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Faut descendre par là. Robert a toujours nos armes. J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Attends. Des sports. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh merde! Ça va? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention! Doucement. Putain! Attention, attention! Mon masque pété! Ne me laissez pas muter! En route! On les a tous eus. J'espère bien. Allez, on retourne en ville.
désinfecter et essayer de s'infiltrer dans la zone. Même si tout le monde se plaint, il y en a tout un tas qui vivent à l'intérieur. Ah, enfin, un peu d'air. Couvre l'entrée. C'est bon. Mince. La planche est tombée. Vas-y, passe-la moi. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Ramasse les munitions. Je suis sûr qu'on en aura besoin. Hé, hey, petit. Regarde si la voie est libre. Pas de soldats, pas d'hommes de Robert, ok? Tu sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Allez. Et ma belle, comment ça va aujourd'hui? Paris, pas mal d'intérêt. Non, c'est bon, j'ai la carte. Maintenant, j'ai compris. Ok, je peux le faire. Si tu touches, tu payes. Tous, ça fait un bal. Merde, putain! Fais gaffe à ta garde! Défonce-le, ouais, mec! Ta garde, putain! Allez! Allez! Oh, tais-moi, tu es ta mère! Bâte-lui le cul! Vas-y! Allez, défonce-le! Mets-lui dans la tronche! Cogne mieux, allez! C'est qui? Il est pris de tête, cherche pas. Debout! Là. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. C'est parti. Faut qu'on passe. Vous feriez on vous fera mieux pas de mal. Et de on veut juste Robert. Si ne faites pas ça.
hors de question que je parte sans Robert. Dis-moi le camp. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez ici immédiatement. Planquez-vous. T'es prêt? Je te couvre. Ouais. Élimine-le. Il va me payer cher. Bien joué, le Texan. Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose, rédiger des chèques en bois. Ok, bien. Donne-moi ta main. Ok. Par ici, Joël. Encore des gars de Robert. Comment tu sais? Je les vois. Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. Par Jordan Street, un tas de soldats ont débarqué avec 5 civils, avec des menottes au poignet. Tu vas payer! Allez, on fouille le coin. Tout est souclé. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du tour. Et Robert, alors? Il se planque chez qui cette nuit? Il est trop parano pour rester ici tout seul. J'en sais rien. On verra avec les autres et on trouvera bien un truc. D'accord.
mal. On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Ils nous auraient menti. Ouais. Voilà notre arme. T'es dingue. Ça serait du suicide d'aller dehors. Robert a dû s'y réfugier. On y va. Reculez, reculez, bordel! On veut juste parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain! Baisse ton arme! Allez vous faire foutre! Il va! Robert! Joël, par ici! Il s'est réfugié ici. On a failli l'avoir.
Salut, Robert. Tess, Joël, sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain! Il nous a manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué, d'accord? Oui. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah oh, merde! Ah stop! 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 Merde! Arrête de gigoter. Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Oui, chef. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir.